Résonance a pour mission de rendre la musique classique au plus grand nombre et de la porter dans les lieux où les personnes ne peuvent plus se déplacer, comme les hôpitaux, les maisons de retraite, les prisons, tous ces lieux de souffrance. Et la Fondation a aussi comme base derrière tout ça la Fondation d'école, dont les buts fondateurs sont qu'elles sont gratuites, sans examen, sans limite d'âge. Et on y enseigne la pédagogie résonance, c'est-à-dire une pédagogie basée sur une nouvelle écoute, c'est-à-dire au fond de la compréhension et de la connaissance de la logique sensible des phénomènes sonores et de leur implication sur notre monde affectif. Et en même temps, toute la phénoménologie du geste, c'est-à-dire comment unifier le phrasé musical dans un geste qui pourra le révéler au mieux sans créer en nous de division. Le trésor qu'est ce patrimoine qu'on nous a laissé, Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, tous ces grands compositeurs, on doit le faire connaître, on doit le partager avec ceux qui en ont été privés. Les prisonniers ou les prisonnières me disent « Votre musique, ça nous permet de nous évader. » Grâce à la musique, on va chacun de nous atteindre à cet autre lieu qui finalement est essentiel. On a vraiment le sentiment, quand on regarde après un concert chacun de ces enfants handicapés, qu'au fond de cet œil, il y a quelque chose de merveilleux avec lequel il faut entrer en contact. Je me suis dit, il y a une véritable nécessité à porter la musique dans ces lieux. Je me souviens de cette vieille dame qui m'a dit « On me met dans une maison de retraite et je ne pourrai plus entendre de musique. » Je lui ai dit « Je viendrai faire le concert chez vous. » Et ça a commencé comme ça. Pour moi, chacun de ces visages est le visage d'une vie. Partager avec le plus grand nombre ce qui guérit, ce qui est harmonieux, ce qui est beau, c'est fondamental.